Plop la VOD. Ici Zikino, de retour sur Graveyard Keeper. Et on commence tout de suite avec l'habituel récapitulatif des missions, des PNJ en cours, des missions en cours avec les PNJ. Alors, moi toujours pareil, Jerry plus rien, comme d'hab. L'astrologue découvrit ce que Mademoiselle Charme sait de son père. Donc ça, on est allé la voir et elle est pas spécialement fan de voir son père vu que comme quand il a abandonné sa mère, elle est morte de chagrin, en gros. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de « Ah bah tiens, c'est bon, tu peux aller voir l'astrologue », mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de boucle un peu bloquée là. Parce que l'astrologue veut rencontrer Mademoiselle Charme, en gros, qu'elle l'accepte comme père, malgré qu'il se soit pas vu pendant toutes ces années. Et Mademoiselle Charme veut que je convainc le fermier de la laisser aller au concert avec sa fille. Pour ça, pour que le frère du fermier, non, le fils du fermier veuille bien convaincre son père, il faut que son oncle, donc le frère du fermier, le meunier plutôt, voilà, qui est juste là, en haut à gauche, il faut que je l'aide, et pour ça, il faut que j'ai des papiers avec calcul, machin, et je crois qu'il faut que je retourne voir l'astrologue. Donc en gros, soit l'astrologue est content que je lui dise « Mademoiselle Charme veut plus te voir » et ok, je peux avancer. Soit je suis bloqué parce que d'un côté Mademoiselle Charme voudra pas avancer avec l'astrologue et l'astrologue veut rien entendre tant que Mademoiselle Charme j'ai pas avancé. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu bloqué, quoi. Bref, le marchand à droite, les dîners, voilà, qualité or. Pour le moment, je m'en fiche un petit peu. L'évêque, je pense qu'on va continuer là-dessus. Le cimetière, surtout. Peut-être un petit peu l'église, mais ça dépend de comment on débloque les technologies. Et serpent, donc aider serpent avec son rituel et atteigner 20 de satanisme dans l'église noire. Je sais plus à combien je suis, mais en gros, il faut des crânes, quoi. C'est le seul truc qui est un peu embêtant. Et du coup, pour avoir des crânes, il faut des corps. Et les corps, soit on les met au cimetière, soit on fait des zombies. Donc ça va me permettre à la fois d'avancer Serpent et l'évêque en même temps. Faut que je garde un petit œil quand même sur Astrologue et Mademoiselle Charme, que j'aille leur reparler. Surtout à l'Astrologue, mais un petit peu aux deux si possible. Et sinon, on va plutôt se concentrer sur Serpent et l'évêque. Et je crois que, malgré que le meunier a une mission, et que le fils du fermier ait une mission aussi, c'est tout ce que j'ai. Ensuite... Donc là j'ai 63 de bleu. Je sais pas du tout... Où est-ce que je peux la mettre intéressant? Non, là, la presse niveau 2... Pas besoin de tant de papier que ça. Ici ça peut être bien. Les engrais, comme ça. Comme ça, si jamais je les débloque, bah, tant mieux. J'ai... Tonneau de fermentation, oui. J'avais commencé la bière, à faire une bière, de mémoire. On pourrait peut-être commencer à... Enfin, on pourrait continuer l'amélioration de l'alcool. 5, 6, 7, ouais, j'ai... Je peux pas atteindre au fond. C'est l'autre cachette. Joaillier pourrait faire des lingots d'argent et d'or. Ouais. Par contre, construction. Donc ça, on peut peut-être faire de la céramique parce que ça coûte que 5 de bleu, donc c'est vraiment pas grand-chose. Maintenant que les engrenages me font du bleu, et que les engrenages, je crois que j'en ai un peu besoin en boucle. Ah, je suis pas sûr en fait. Bref. Ça peut être bien. Support de montage, ça me plaisait pas mal. Et puis je me rends compte que j'ai plus de... Que j'ai pas de rouge, quoi. C'est impressionnant. Le rouge et le vert, pourtant j'en avais infiniment.
Mais j'avoue que c'est pas moi qui travaille, c'est les zombies, du coup je n'augmente plus ma force quoi. Donc ça peut être très intéressant d'avoir l'établi supérieur. Et ça fait quoi déjà? Charpentier et maçon. Donc le bois et la pierre où je serais plus productif. Plus une prière d'excellence qui me donne ventant les vertus d'un futur labeur. Donc sûrement un truc qui me donne aussi de l'amélioration de productivité bois et pierre. Parfum d'or. Okay. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'un seul embaumement, non rien. Je peux peut-être faire ça, les trucs à distiller, tout ça, pour améliorer l'alchimie. Ça peut être pas mal. En vrai, j'ai même jamais. Ah non, faut que je le débloque. Et où les postes. Bref, je suis encore un peu perdu sur ce sur quoi je vais lancer. Où est-ce qu'on était? On était là-haut. Et on avait découvert où est-ce qu'on pouvait mettre des torches et tout. Donc pour faire juste des torches de base, donc il faut des poutres. Je l'ai sur moi la poutre, c'est ça? Oui. Il faut poutres, comment ça s'appelle? Bâton de bois et cordes. Donc les cordes, j'en ai beaucoup. Donc ça me paraît bien mettre des torches au moins au début. Ouais, c'est peut-être pas le plus joli, mais il faudrait que j'essaie un peu tous. faudrait que j'essaie un peu les trois. Donc il me faut une poutre, 4, 5, 6, 7 pièces de fer simple et 4 verres. Voilà. Donc là on est le jour de l'inquisiteur, à part mettre de la bière, et encore ça sera pas de la qualité de ouf. Oui, voilà, on avait débloqué la bière. Oui, je voulais tester oignons et bière aussi. Oula, plein de choses. Lui, est-ce qu'il va réussir à avancer? J'ai l'impression qu'il avance plus vite quand je suis là que quand je suis pas là. Mais c'est peut-être... c'est peut-être qu'une impression. Et donc là, il y a le chemin avec toutes les lanternes. On a débloqué. D'ailleurs, il n'y avait pas autre chose là d'intéressant à débloquer. Placement de lanterne. Ça, on avait regardé. On avait fait tout le tour de là où on pouvait. Je crois. Ouais. Ah non! Ah, on peut le mettre là. Ah, c'est dommage. Du coup. Réserve de pierre, il faut des cosses et des clous. Parce que là, du coup, j'ai envie de retirer ce stock de pierre pour mettre une lanterne. Bref. Du coup, 8 d'os, 8 clous. Et 7 pièces de fer simple. 4 verres. Ouais, c'est ça, il va super vite quand je suis là. Et sinon, quand je suis pas là, il fait des stocks. C'est un jeu très bien programmé. C'est pas grave en soi, mais c'est dommage. Je sais même plus ce qu'il y a là-haut. C'est vrai que mon terre est plein. Là aussi il y a du miel, mais c'est pas intéressant parce que j'y passe pas. Pas grand chose que je le débloque. D'accord. Oui, il n'y avait pas grand chose d'intéressant non plus. Là, il n'y a pas de stock, d'accord. Lui, il va plus loin. 5%, ok.
l'impression que je mets mon temps à le... à travailler le... les ruches sauvages, en tout cas. Donc, ça fait beaucoup d'abeilles, ça. Ça commence à faire pas mal d'abeilles. On va se préparer celle-là aussi. Qu'il nous faut. Bref, on va aller attendez, est-ce que j'ai des crânes? Ok. Est-ce que j'ai un plusieurs crânes ici? Non, je vais tout retirer. J'atteins 14 sur 20. Donc ça se trouve, ici par exemple, les candélabres ou les vitraux par exemple, faudra en mettre au sol, ou l'encens peut-être, faudra en mettre au sous-sol pour augmenter. Ça fait pas peur, quoi. Pour le moment, je sais pas, mais logiquement, j'atteins pas les 20.
on est quel jour? On est toujours de l'inquisiteur, on s'en fiche un petit peu. J'ai plus le crâne sur moi. Par contre, je peux peut-être poser le sang. Non, c'est pas là. On va poser là où il y a déjà les stocks. Pas vérifié. Ah, il y a deux cadavres. Oh, super. J'en étais sûr plus que j'en avais oublié un. Attendez. Un second. Je vais quand même vérifier si je peux faire un zombie ou pas. Parce que si je peux faire un zombie, il faut que je m'occupe tout de suite de celui qui a 97%. Ça, oui, d'accord. Non, j'ai 3 de foi. C'est ma foi totale. On est d'accord. Laisser ici. C'est ma foi totale. Donc je ne peux pas faire de zombie. Ok. Jour de l'astrologue. On a bien vu, il faut qu'on aille le voir. Alors, le sang, la graisse. Et un crâne. Enfin, le crâne. Prends le corps, on va le mettre là-dessus. Le crâne. Le sang. Et la graisse. Un petit peu de vin. Où est-ce que je les enterre? La lieu de sépulture. Attendez, lui il est à combien? Il y en a un des deux qui était pas ouf, enfin qui avait beaucoup de rouge au début. Lui il a 3 rouges et il peut au maximum m'apporter 4. 4, 5, 6, 7. Et lui il a 2 rouges mais après il peut m'apporter 2, 3, 4, 5, peut-être 6. Alors lui il faut absolument que je le mette. Et l'autre, on va peut-être le cramer. Hein. Lieu de sépulture. Ah non, du coup, tout ce qui est un petit peu vert, c'est enlevé de... C'est en crâne qui ne pourra pas être validé. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. J'ai même pas, je peux même pas prendre le certificat d'inhumation. Si je veux faire de la bière, faut aussi que j'aille récupérer de l'eau.
place avec le jour de l'astrologue. Enfin, c'est le jour de l'astrologue. Donc on va voir si on peut avancer avec lui malgré que Mademoiselle Charme ne veut plus, ne veut pas de lui, ne veut pas de son père. Piste sépulture m'embête un petit peu de voir qu'elle est, qu'elle a une tête bizarre. Voilà. Essayer d'aller en ville ou si ça va me m'électrocuter comme la dernière fois. Et si à un moment je pourrais y aller, comment je le saurais. Lui parler de Mademoiselle Charme. Eh bien, je lui dis que je connaissais peut-être son père. Comment a-t-elle pris la chose? Disons qu'elle n'a pas été très excitée à cette idée. Elle m'a dit que vous n'aviez jamais essayé de la retrouver. Vous avez abandonné sa mère. C'est vrai. Cependant, je pourrais peut-être obtenir son pardon. Si je découvre quoi que ce soit, vous serez le premier informé. Oh, merci, jeune homme. Vous êtes si bon. Oui. Ah. C'est bon, je suis pas bloqué. Je peux prendre les calculs. Pour faire toute la partie avec Mademoiselle Charme et avancer la quête principale. Prendre les calculs. Ok, je pensais qu'il allait parler. À propos des trois parties du canon. Vous m'aviez promis de me parler des objets que je recherche. Que je cherche. Il me semble avoir vu un collier avec un saphir sanglant. Esmeralda en avait un. Elle l'avait trouvé par terre le lendemain de la grande déflagration. Je pense qu'elle a dû le donner à sa fille. Peut-être. Beaucoup de rochers et de choses étranges se sont retrouvés éparpillés autour de la colline aux sorcières après cette explosion. Il y a eu de nombreux incendies. Beaucoup de destruction. Je n'ai jamais revu mon ami le gardien de cimetière après cette nuit. Mais, tout comme Esmeralda, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Un instrument de mesure, près d'un site de fouilles archéologiques. Il s'agit probablement de votre sextant doré. Où se trouve-t-il désormais? Je l'ai laissé dans un campement près du fort de la montagne. Avec mes autres possessions, nous avons dû quitter ce campement dans l'urgence. Campement près du fort de la montagne. Il doit encore s'y trouver. Je doute que quiconque ait été assez imprudent pour oser briser le sceau de l'université royale. Ok. Je peux lui acheter des plumes à lui. 20... Ouais, ça doit être le même prix que... Au pire, tant pis. Que si je les achetais... ceux qui ont les poules et les oies là, qui vendent aussi les œufs. Non, pas grand chose à acheter, je pense. Enfin, si, je pourrais prendre de l'encre en avance, tout ça, mais. Enfin, il a dit fort de la montagne, on est d'accord? Je pense que c'est pas le campement du baron des gitans. Et le fort de la montagne, je n'y ai pas encore accès. On peut pas piquer les coffres des gens. Tant pis, dommage.
Oui, et lui, il veut pas me voir, et pour aller voir lui, pour le... Oui, en plus, je veux aller là-bas. Fort de la montagne, ouais. Ah bah, il est là, il est déjà là, lui. C'est pour avancer avec lui, pour Mademoiselle Charme, que je veux le voir, en fait. Mais je ne sais toujours pas trop ce qu'il faut. Bref, faut avancer avec Mademoiselle Charme. Pour ça, il faut que, avant la nuit, là, j'aille voir le meunier pour me rappeler qu'est-ce qu'il veut en plus des calculs pour refaire son moulin. Je suis bien là. Voilà. Et donc je passe par le meunier. Et une fois que j'aurai vu le meunier, faut que je le fasse soit là dans la soirée, soit dans la journée de demain. Alors il faut 6 planches, 5 pièces de fer complexes. Bon, avec tout ce que j'ai en tête, à la fois pour le pour la crypte, pour les torches, j'oublierais ça sûrement. Les torches et la crypte. Le moins urgent, important. 6 planches et 5 pièces de fer complexes. Punaise, je viens de le voir, je suis plus sûr. Voilà. Déjà, j'ai pas beaucoup de place. 6 planches. Et on va en prendre 10. Je vais poser l'histoire. Il y a un cadavre. Voilà. Ça colle pile poil. Ce sera dommage, mais tant pis. Voilà. De toute façon, j'ai pas la prière sur moi. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Pourquoi je ne peux pas...
faudrait que j'en achète de la soie du coup. Mais faut que je débloque la construction. Bref, pourquoi je peux pas... Voilà, fallait attendre qu'on passe en journée. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse. Sympa. Prions pour cette bénédiction. Oh, j'ai déjà un de fou en avance. Ok. 9, 10, ok. J'ai pile poil 10. Donc pile poil de quoi faire un zombie. Oh, une pièce d'argent et 86 de bronze, quand même. Mais oui, ça rapporte plus d'argent de prendre cette bénédiction, c'est ça. Mais moins de fois, généralement. Alors, on repose ça. On repose ça. On va chercher... Je sais plus combien c'était, donc une dizaine de pièces de fer complexes. Est-ce que tu peux faire des... Non, pas les légumes, ça. De faire complexe, j'en ai besoin. Je sais même pas si j'ai des stocks d'avance de caisse ou pas. Voilà, planche. Voilà, j'ai tout. D'ailleurs, c'est le meunier qui me vendait du houblon. Du coup, je vais racheter des graines de houblon pour en avoir quelques-unes d'avance. Alors, fabriquer, réparer le moulin. Donne 11 et après me donne soif de bière et la bière me donne 15. Donc si j'utilise un toast soif de bière, la bière à Mirko maintenant, ça me donne, la bière me donne 20 d'énergie au lieu de 15, donc 5 de plus parce que j'ai fait la combinaison. Succès déverrouillé, moulin. Oh, vous l'avez réparé. Vous pouvez moudre votre blé ici gratuitement si vous le désirez. J'espère que cela me permettra d'avoir les papiers pour Alice. Ouais. D'accord, utiliser le moulin, c'est. On vient le voir directement. Et le moudre gratuitement, ça veut dire qu'il va nous donner de la farine. Si je viens de le voir, je peux transformer sans perdre d'énergie mon blé en farine, mais je crois que sinon. Je crois que sinon c'est
pas forcément très utile. Alors, lui, il s'en fiche, non? Je dois terminer, mais Corvée, sinon mon père entrera dans une colère noire. Ouais. J'ai entendu que le moulin a été réparé. C'est bon pour les affaires. Et Alice a vraiment envie d'y aller. J'adore ma fille. Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Donc, elle peut y aller. Quel homme charmant. À pied d'Alice. Est-ce que lui, il y a des graines qui sont intéressantes? Betteraves, blé, carottes, choux. Oignon, lentilles, citrouille, non, pas vraiment. Ok, donc demain, il faut que j'aille voir Mademoiselle Charme avec les papiers d'Alice. Et ça devrait avancer du coup son histoire. Ok, encore une bonne chose de faite. Par l'eau blonde. Alors, le houblon, on a dit qu'on posait les graines. Et ça, je vais le garder sur moi. Je peux la reposer. Il faut que je pose l'huile ici aussi, je pense. J'aurais peut-être pu manger les champignons nature pour libérer un slot d'espace. J'ai dit quoi?
normalement le zombie. Lui, je vais la poser ici. Oh, un livre bleu. Exactement ce qu'on veut. Utiliser. Soupe au poisson, faut que je la pose. C'était que 4 dos. Ça m'étonne un petit peu. J'ai plus besoin de pièces de fer complexes, mais de pièces de fer simples, oui. Un peu d'eau. De mémoire, c'était 7. Poser la soupe de poisson si c'est possible ici. Voilà. Et comment on fait de la pâte à polir? Je suis sûr que j'aurais sûrement pas dû. Donc ça, c'est le bol en céramique. Je sais plus du tout où c'est. Là. Voilà. J'aurais pas dû poser mon huile. Je vais la récupérer. Petit aller-retour pour changer. Ça ne fera pas de mal. On n'a pas à gauche. Non, tout à gauche. Donner qu'une, donc il me faut de l'huile en masse, tout simplement. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un peu de place. Je voulais passer par le sous-sol pour emmener la caisse, mais tant pis, je suis passé par en haut. Ici, il y a 0 caisse. Ok. 45, oui, je prends. Je pourrais faire masse de prospectus pour faire masse de d'emplacement pour les caisses. Mais... Voilà. Salut mon chou, que puis-je faire pour vous? J'ai quelques questions, pas de questions, oui. Pourquoi c'est toujours là ce truc-là? J'ai les papiers pour Alice. Voilà les papiers. Elle va pouvoir se rendre au concert avec vous au concert. Croissant, c'est merveilleux. Nous allons juste voilà. 2 ans de plus, cela devrait nettement simplifier les choses. Croissant, la correction n'est pas très propre. Il est assez évident que ce chiffre a été modifié. Croissant, du coup, je vais avoir besoin qu'un aristocrate contresigne ces documents. Mais je ne peux pas demander cela à n'importe qui. Une rumeur déplacée pourrait détruire ma réputation. Peut-être pourriez-vous vous procurer des papiers d'aristocrate. Ainsi, je n'aurai plus besoin que de votre signature. Oula, tout cela ne m'a pas l'air très égal. Oh, vous pouvez parler. Je parie que vous touchez à tout,
un tas de Manilegos dans votre cimetière. Voilà. Et puis, ce n'est pas comme si j'allais oublier de vous remercier, mon joli. Je n'aime pas ça, mais j'imagine que la fin justifie les moyens. Faut que j'achète les punaises de boîte des papiers d'aristocrate. Ah, de mémoire, écoutez, genre 10 pièces d'argent. D'or. 5 à 10 pièces d'or. Et là, je me bats avec 2 à 3, je crois. J'ai combien ? 2 et demi. 22. Pas grand chose, hein, la bière. Et il achète même pas les oignons. Je vais lui vendre tout le vin rouge que j'ai. De toute façon, la bière, je vais essayer d'utiliser les oignons et la bière. Ouais, je vais faire ça, terminer l'offre. Donc le zombie d'en haut a fini de transporter de créer les caisses plutôt. Du coup, au lieu de moi-même faire 3 allers-retours, ce qui est pas forcément hyper intéressant pour le stream, je vais le poser. Même si pour 3, je perds presque autant de temps à venir le récupérer et le poser qu'aller faire moi-même. Faut que je le pense à préparer les caisses en avance et faire les allers-retours pendant la semaine petit à petit. La presse. Ah oui, l'huile. Ah, on peut faire 10 huiles avec de la graisse. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça tout de suite pour pouvoir faire les fontaines. Il fallait 5 de graisse. Ça fait quoi si... Ok, ça change rien si je prends ce... Ça prend le slot le plus petit, quoi. J'ai une histoire à poser. Voilà. Il faudrait que je repose le verre, vu que de toute façon il se produit par 2. Que j'en veux 4. Voilà. Oui, j'ai beaucoup de raisins. Argenté en fait. Je crois. Non.
Non, c'était au broyeur à main. Il fallait faire de la poudre avec le... Enfin, le broyeur alchimique. Une à la fois, ça va être long. Jeu de zombie. Celui-là. Du coup, elle m'a dit quoi? C'est quoi la quête maintenant? Papier d'aristocrate, oui. On va voir. Hop, une bière en pleine opération. Moi, je dis c'est cool. C'est toujours bien de prendre une petite bière. Avant, pendant l'opération, même pas avant, tu vois, pendant. Non. Je veux passer par l'église pour voir combien ça coûte. D'ailleurs. Lui, il y a 15. Est déjà bien, et lui il est à 15 aussi. Ok, donc côté maniaque, c'est le même qui continue, même si c'est pas important en soi. Oui, là, citoyen légitime, j'ai bien fait d'ailleurs de les avoir pris en avance. 12 pièces d'or, quoi. 12. 10 de plus que ce que j'ai. Est-ce que il peut... Je crois pas, mais... J'ai pas d'espace. J'ai pas d'espace, ça sert pas à grand chose. Pas mal d'argent quand même. Se reposer là tout de suite parce que de toute façon le jeu va commencer à me faire
Elle me dirait, tu te reposes pas, tu perds de l'énergie pour rien. Du coup, on se repose un petit coup. Soit enterré, soit cramé. Oui, ça arrive qu'il se perde, c'est déjà pas mal, mais... J'en ai besoin de pas mal, vu que je veux faire du verre d'un côté. J'en ai besoin pour faire de... Ouais, sans, ça fait quand même beaucoup. Regardez même pas, j'en ai besoin pour faire du verre, pour faire des... pour faire les... ça là... j'en ai un, il y a combien? Oh, ils les mettent pas là, ils sont pas bons. Et il va me falloir du verre. Okay. Toi, tu vas me polir quelques briques encore. Chimie avec de l'huile de graisse humaine, je pense que c'est faisable. Pourrir l'autre cadavre, c'est pas bon. J'en ai combien? Je vais reposer ce que j'ai. Ah, mais j'en ai pas sur moi. Bon, c'est pas grave. 4, il m'en faut 6. 2, 3, 4, 5, 6.
et là il faut un peu d'eau. J'ai saut du jus de raisin sur moi. J'ai pas fait gaffe. Fabriquer un mélangeur à main, on peut fabriquer de l'eau, d'accord. Et on va voir le cadavre. Surtout si on veut essayer de l'enterrer avant qu'il soit trop pourri. 95%, ça va encore. Ça devrait le faire. Côté serpent, c'est aujourd'hui. Oh, quoi que, je l'ai vu, mais on était au début de la journée. Ça va, en fait. Ça va. Faut vraiment que je fasse toutes les décorations des tombes en masse. Là. D'ailleurs, j'aurais dû poser au moins deux kits de réparation en pierre. Parce que j'en ai beaucoup. Hop. J'ai pas beaucoup de place en fait. 10. Tac. Et kit de réparation en pierre. Ça va être au maximum de ce que je peux faire pour le moment. Parce que les squelettes crucifiés et crucifiés sur le mur, on avait vu que c'était le maximum. Crâne dans le mur et crâne dans une colonne, on a vu que c'était le maximum. Hop, hop. Et ça, c'est le maximum aussi. Non, on peut remplir le bassin. De sang, donc il me faut 20 de sang. Il me faut 20 de sang. Parce que là on est à 14. Si chacun donne 3, ce qui est possible, on peut finir. Enfin, on peut avancer la quête. Est-ce que j'ai 20 de sang?
Wow, pile poil. Ça m'étonne. Non, non. Bah ça sert à rien parce que... Oh non, un peu d'ail. Vaut mieux pas la mettre tout de suite parce que si c'est comme les bougies et que ça disparaît, je serais très dégoûté. 25, c'est pas... C'est quand même beaucoup. Je sais pas ce que j'ai posé là. Mes asticots. Juste au cas où, avoir un crâne d'avance. Ça peut pas trop faire de mal. Enfin, ça encombre quoi, mais. Au cas où. Prendre le corps. En avoir marre déjà de m'occuper de tout ça. Non, j'ai pas assez de place dans mon inventaire pour aller chercher du côté du vin. Poser le verre. Peut-être me faire cette épée là. Ce serait pas plus mal. J'ai quoi comme épée? J'ai épée quoi. Je peux aller poser mes certificats d'inhumation. Je te regarde rapidement les quêtes. J'ai pas grand chose à faire en fait. Donc là, vu que j'ai plus rien à faire
essayer de me mettre sur le marchand, ça peut être bien. Mais le marchand, c'est compliqué. En fait, ça, je vais les mettre directement au cimetière. Je vais voir pour mettre les... Oui. Production de fer, de pierre qui est déjà grande. Faut que je... Faut que je les fasse fabriquer des clôtures. Alors, croix. Elle coûte tellement moins cher cette pierre tombale que celle-ci. J'ai mes 4 de verre. C'était pourquoi? ça devait être pour les torches. Est-ce que j'ai... Je trouverai bien en chemin des petits bâtons. Non, ne pas prendre le miel. Alors, ici... Ah, j'ai pas pris de pierre. Je vais prendre 4 de pierre et un bâton, du coup. C'est ça, hein? Quoique, la pierre, je peux en avoir là. Ah oui, au milieu des là en bois. Ok. En fait, je me demande si on pourra les enlever. D'accord, oui. Je peux les remplacer par ce qui est considéré comme plus beau. Ici, c'est un peu dommage. Si, c'est bon. Je l'ai ramassé. C'est un peu dommage parce qu'on le voit pas bien. Du coup, ici... Ah, la torche, d'accord. Effectivement. Et... remplacer par du plus beau. J'espère que ça m'enlève les chauves-souris la nuit, que ça sert à ça en fait, que bah, je suis dans un endroit éclairé, donc je ne me fais pas agresser. Je ne sais pas trop. Est-ce que là il faut réutiliser les... Oui, il faut tous les matériaux, donc autant directement mettre le matériau le plus élevé, je pense. À moins qu'on préfère un autre style, quoi, mais... Ça va aller, je vais prendre le plus... ce qui est considéré comme étant le plus beau par le jeu. Et ça m'ira parfaitement. Donc là, je pense que je peux faire une autre ruche. Ou pas loin.
Je vais vérifier, c'est 6 clous, 4 d'os. Et 10 abeilles, j'en ai 7 sur moi. Et je sais, il doit y en avoir au moins 4 à la maison. Punaise. Ah oui, j'ai une nouvelle épée à récupérer. Ah oui, c'est un buisson, d'accord. Ça là. Je croyais que c'était pas. Enfin, que c'était de la pierre aussi en lui. Voilà. Est-ce que on peut améliorer les. Améliorer les torches, enfin les lampes qui sont déjà là d'avant. Si on peut cuisiner, mais je comprends pas pourquoi je cuisinerais dehors à 2 mètres de chez moi. Vas-y, ça m'évite de re-rentrer. D'espace dans mon inventaire, ça devait être durable, je crois. Je vais aller les reposer du coup, et pareil pour les cordes. Les cordes, c'était où? C'est au sous-sol, mais ça doit être là-bas.
ramener les quantités astronomiques d'eau que je voulais. Ça. Je vais me ramener quelques seaux d'eau en bas pour faire de la bière. Allez, un cinquième. Je sais plus si c'est 10 ou... Ouais, 100. Avec ça, je peux me faire 2 bières. Non, 2 fois 5 bières. Et toi, maintenant que t'as fabriqué les caisses, tu vas bien gentiment. Ok, 15%, oui, c'est le bon. Voilà. Encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Des lingots, des pièces d'acier, je crois qu'il m'en fallait quelques-unes. Non, j'en ai déjà 16 d'avance, donc il m'en faut apparemment pas trop. Par contre, l'épée, pour une fois que j'y pense, c'est parti. Voilà, j'ai pris tout ce que j'ai pu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va, 5, 7, 8. Est-ce que j'ai de quoi faire 8? J'ai 4. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, par contre, je peux le faire en entier. Si j'ai assez d'énergie. Voilà. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Lui, il faut 3, d'accord. Lui, 4, 4, 8, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, 6. 3, ok, 1, 2, 4, 5, 6, 7, alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plutôt, faut que je regarde au milieu en fait, pas à gauche. 6, je crois que c'est ça. Plein d'asticots, vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et du coup, j'ai pas fait gaffe. J'en suis à combien de beauté? 85 sur 200, c'est ça? En fait, j'ai même pas besoin de plus de cadavres, j'ai juste besoin de tout améliorer, quoi.
qui t'a arraché genre à lui. Voilà, au début c'était un peu la misère quoi. Que j'en déterre certains. Au début c'était bien la misère. Là je pourrais enlever par exemple la croix en bois qui vaut 2 et mettre une énorme croix comme au-dessus et ça serait bon. Faudrait que je vois aussi pour faire un columbarium. Et là il faut une urne funéraire, enfin 12 urnes en céramique et j'ai un peu la flemme. Je crois que je peux pas faire de la céramique tout de suite. Il faudrait que j'utilise de la foie aussi pour sculpter quelques pierres polies. Faut que je ramène mes fleurs oranges ici aussi. Je vais faire ça tout de suite. J'ai quoi comme... pour un prochain épisode sur Graveyard Keeper. J'espère que celui-ci vous aura plu.